On se retrouve dans le cinéma de la Joliette. On a 270 étudiants qui sont là pour une plénière de rentrée. On va leur parler de leur année. On va essayer de les engager pour qu'ils puissent passer une année la plus réussie possible. Sur Marseille, on a été super bien accueillis à la fois par les institutionnels, monde économique, mais également par tous les étudiants. On ne doit pas être loin de 290 entreprises clientes. La quasi-totalité des grandes structures du territoire nous prend au minimum un étudiant, donc on est ravis en tout cas de cette implantation. En tant que directeur de ce campus, moi je suis convaincu que tout est possible à qui rêve, à qui ose, à qui travaille et à qui n'abandonne jamais. Les grandes victoires, celles dont on se souvient et dont on est fier, surviennent après les combats les plus ardus. On avait à cœur à l'Olympique de Marseille de s'impliquer sur le territoire et qui de mieux que l'INSEC pour nous accompagner sur la partie éducation, qui est évidemment de les accompagner pour ajouter une brique sport, permettre à ces étudiants-là de suivre des expériences en immersion au sein d'un club pour développer et comprendre les enjeux d'un club de football. On a fait notre journée de rentrée, on a découvert de belles choses et on a hâte de voir comment ça va se dérouler aujourd'hui. Hâte de commencer, de voir comment ça va se passer pendant ces deux ans. On a beaucoup d'étudiants qui viennent de la région mais qui ne connaissent pas forcément Marseille, une magnifique ville, la plus belle ville du monde, et qui puissent apprendre à se connaître. Ils vont par petite équipe dans tout le cœur de ville de Marseille, à la découverte de plusieurs lieux emblématiques, tout un tas de défis et quelques récompenses sympas en lien avec nos principaux partenariats. Vous avez trois énigmes à résoudre. Vous avez 28 balises à découvrir dans Marseille. Vous mettez les balises dans l'ordre où vous les faites. Vous prenez en photo le monument. Et là, vous avez le détail des points pour chaque balise. Et il y aura une remise des récompenses. Okay. Vivre une année pleine, remplie de bonnes choses, d'abord d'un point de vue scolaire, puis qui vivent une expérience étudiante la plus remarquable possible. Jules, il dit quelque chose, c'est j'ai du cœur, mais j'ai pas d'estomac. Je suis assez d'accord. Et pourtant, pour pouvoir oser, on a besoin d'avoir un peu de courage, d'avoir un peu d'audace nécessaire pour pouvoir aller dans cette direction.